attend que Batman essaie de franchir cette porte et on lui saute dessus. Quel plan? C'est pas un plan, c'est du suicide. J'ai pas peur de lui. La porte est soudée, et ce type, c'est qu'un rigolo en collant. Très bien. Alors tu passes devant. Pourquoi? Tu flippes? Vous pourriez pas la boucler et vous tenir prêt? Ça me plaît pas plus qu'à vous d'être là. Mais pour avoir une chance de la battre, il faut qu'on l'attaque en même temps. Tous ensemble. C'est Batman! Protocole 10 prendra effet dans 9 heures. Tu es sorti de la chambre de fusion, Batman! Tu as construit quoi? Réponds! Harley, reviens ici! Je crois que je vais mourir! Voilà, regarde ce que tu as fait! Dégage, Batman! J'arrive, Monsieur J! Je te présente Monsieur Marco. Il va t'apprendre les bonnes manières. Arkham City sera la dernière chose que tu verras. Tu vis tes derniers instants, chauve-souris. Je le veux mort. Mort. Je suis clair. Je vais reprendre toute la personne avec ton sang. Rien de caché, Batou. Les gars finiront par te trouver et ils te planteront la raclée des amis. Tu peux creuser ta tombe. Je vais briser tous les os de ton corps en mille morceaux. J'espère que mes gaillards te corrigeront comme tu le mérites. Ha 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 ha!
Pourquoi? 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 Toi! Écarte-toi de mon chemin, Queen. Laisse-nous tranquille, Batman. Je veux être seule avec lui, laisse-moi. J'ai dit du vent. Non! Tout ça, c'est ta faute! Tu l'as harcelé pendant des années! Tu l'as passé à tabac! Et pourquoi? Pourquoi es-tu si méchant? Surprise! Tu es tombé dans le bon vieux traquenard du Joker, Batman! Ça va, Swingy! On dirait que le détective va être occupé avec le Joker un moment. Cool. Le chaton va pouvoir danser. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? J'aide le beau brin ténébreux ou j'embarque tout le butin que le professeur Strange a enfermé dans son coffre adoré? Je sais, c'est un vrai dilemme. Alors, je fais quoi? Je trouve Croc pour lui faire faire un trou dans le coffre? Je demande des explosifs au pingouin? Non, c'est vraiment pas mon genre. Je préfère une approche féminine dans ces situations-là. Ne bouge surtout pas, Ivy. Je viens te chercher. Je dois récupérer mon kit dans mon repère. Impossible d'affronter Ivy sans mes affaires. Je ne peux rien faire sans elle. Batman n'est qu'un petit embêtement. Ouais, il va se ressaisir. Et trouver un moyen de rentrer. Comment on est censé découvrir où elle vit? Double Face a dit qu'elle vivait quelque part par ici. Et alors, comment il le sait? Comment je suis censé savoir? Je fais qu'écouter le patron, et tu devrais faire pareil. Je sais. Mais pourquoi il est si furax d'un seul coup? Oh, je sais pas. Peut-être parce que Catwoman l'a suspendu au-dessus d'une cuve d'acide? Vraiment? Ouais. Il avait réussi à la capturer, mais cette garce a réussi à se libérer. Sérieusement? Comment j'ai raté tout ça? Peut-être parce que tu passes la moitié de ton temps à engloutir ces saletés de conserve et l'autre moitié aux chiottes. Ouais, cette bouffe est un peu bizarre. Je vais te donner un conseil. Arrête de bouffer ça et trouve où se cache Catwoman! C'est bon d'être chez soi. Selina, tu dois trouver Ivy. J'espère qu'elle m'a pardonné. Oh, je pense que oui. Il n'y a pas de raison. Ah.
Qu'est-ce qu'elle fabrique ici? C'est Catwoman! Descends par ici, Catwoman! Je croyais que t'étais censé faire peur, Catwoman! Allez, descends un peu! Allez, qu'est-ce que t'attends? Je vais te défoncer ton joli crâne, Catwoman! Ivy, tu es là? Tu n'as pas dû venir ici. Oh, allez, tu n'as quand même pas l'intention de m'en vouloir éternellement, pas vrai? Tu les as toutes tuées! Oh, c'était juste des fleurs, Ivy. Je t'en achèterai de nouvelles. Je connais un endroit où... Oh, allez, Pam. On pourrait pas juste... Oh, dis-moi que je vole. Hey, Pammy, j'ai une idée. Si tu veux un petit ami, pourquoi tu essaies pas de sortir un peu? Oh, ce serait mieux que le redou. J'ai passé des semaines entières à peaufiner les toxines qui détruiront ton pauvre petit corps charmant, pathétique. T'as fini, Pam? Sérieusement, tu...
tu espères pouvoir battre Mernato? Un million de micro-organismes pénétreront dans ton sang. Les spores grandiront dans tes veines. Et quand mon œuvre sera enfin terminée, tes chairs se transformera en écorce. Tu as terminé, Ivy? Je veux juste discuter, c'est tout. Si tu respires encore, ce n'est pas permis. Elle est vraiment bornée, je dois le reconnaître. La nature est invincible, Célina. Mes spores rempliront tes poumons et te tueront longtemps de l'intérieur. J'ai juste besoin de ton aide. Jamais. Pas encore. Tu as du culot, Célina. Ici, Harley. Mais je veux savoir qui il est, poussin. Tout le monde a sa part de mystère, ma chère. Pourquoi vouloir tout gâcher? Tout n'était qu'un mensonge. Tu n'es absolument pas malade. Ça me va droit au cœur. Mais tu es bien placé pour savoir que, au contraire, je suis un grand malade. Prends mon sang, par exemple. Je ne demande que ça. Ce truc est en train de me tuer. Pourquoi je m'en soucierais? Parce que maintenant, il y a une infime partie de moi en toi aussi, Batman. Oh, allez! N'essaie pas de me faire croire que tu ne l'as jamais voulu. Écoute, on n'a plus beaucoup de temps. J'ai besoin de toi. J'ai failli avoir un antidote. Il était à portée de main. Mais au final, on me l'a honteusement volé. Alors, on va mourir tous les deux. Ça ne me dérange pas. Ah, vraiment? Imagine, pousser ton dernier soupir tout en sachant que Gotham meurt aussi. Mais de quoi est-ce que tu parles? Oh, j'aurais oublié de te prévenir. J'ai passé des semaines à envoyer des échantillons de mon sang dans les services d'urgence des quatre coins de la ville. Alors c'est ça le protocole 10. Empoisonner Gotham, je m'attendais à mieux. Le protocole 10? Jamais entendu parler. Accroche-toi bien. J'écoute. On a le moral dans les chaussettes, hein? Qu'est-ce que tu veux? Oh, bateau, souris un peu. Ça ne va pas te tuer. Oups! Où est l'antidote? Qui l'a pris? J'ai demandé au glacial Mr. Freeze de le fabriquer, mais il semble avoir disparu. Je le retrouverai. Je parie que... Alfred, le Joker m'a empoisonné. Il a peut-être aussi empoisonné Gotham. Mr. Freeze est le seul remède. Mais alors, qu'attendez-vous? Il est à Arkham City. Trouvez-le. Si seulement c'était si simple. Il doit être à un endroit froid. Il lui faut des températures négatives pour rester en vie. Je ne voudrais pas vous inquiéter, mais on est au beau milieu de l'hiver, là-bas. J'ai remarqué. J'ai calibré le masque pour qu'il repère la chaleur. Je vais trouver le point le plus froid d'Arkham City.